Coucou les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On continue la série sur l'aménagement de notre trafic. Donc là, il y a plusieurs vidéos qui vont s'enchaîner, comme j'ai pu vous le dire dans la précédente vidéo où j'ai installé mes embases, où je vous ai montré vraiment comment j'ai installé mes embases pivotantes à l'avant. Et du coup, aujourd'hui, on va parler du couchage. Je vais vous montrer comment on peut dormir, nous, à 5 dans le trafic et même jusqu'à 6 si on voulait. Donc vous allez voir que l'installation est très simple. Et d'ailleurs, la particularité, et ça, c'est valable pour tout notre trafic aménagé, c'est que tout est amovible et tout s'installe en quelques minutes. Ça ne nécessite aucun travaux, aucune compétence particulière, et ça nous permet, nous, de répondre à un objectif qui est la polyvalence de notre véhicule. Parce qu'on veut que notre trafic nous serve pour la vie de tous les jours, pour bricoler et pour aller faire du van, pour aller voyager et explorer de nouveaux endroits. Donc vous allez voir, ça va être la particularité de toutes les vidéos. C'est archi simple, mais on a essayé vraiment de faire en sorte que ce soit pratique, confortable et que ça réponde aux besoins de toute la famille. Est-ce que vous êtes prêts? Eh bien écoutez, allez, c'est parti. On met le couchage en place, les amis. Bon, t'as vu, l'installation est vraiment rapide, ça prend quelques minutes, même si je répète toujours, on a le temps. Quand on fait du van, eh ben, l'idée c'est de prendre le temps, mais c'est pour te montrer à quel point l'installation se déploie assez rapidement. Donc du coup, je te résume là et je vais te présenter tous les détails, là, vraiment les petits trucs qui font que eh bien, on est bien au quotidien dès qu'on part en van. Toute cette configuration-là, on l'a mise en place dès l'été dernier, enfin la fin de l'été dernier, quand on a acheté notre tente de toit. Donc du coup, actuellement, on a la possibilité de faire 5 couchages dans la tente. Je vais t'emmener dans la tente, je vais te remontrer tout ça, donc avec 2 adultes et 3 enfants. Mais nous, on a choisi la configuration de ne dormir qu'à 4 en haut, donc 2 adultes avec les 2 petits, Lenny et Manon. Et du coup, Loulou, Tiger, lui, a son coin perso à lui, en bas, avec son couchage indépendant directement dans le trafic. Donc on a actuellement 4 couchages sur le toit et 1 couchage à l'intérieur. On pourrait même compléter, toujours sans travaux, avec un couchage supplémentaire sur la partie cabine. Je vais te donner aussi une astuce par rapport à ça. Bon, allez, je te montre tout de suite ce que ça donne. Donc regarde. Regarde le couchage de Tiger. Donc ici, on a un lit qui fait 170 cm de long, 170-175 sur 75 de large. Tout ça sans travaux. Je vais te montrer ma petite astuce qui permet de faire un lit avec un matelas plus large que la banquette. Tu vois, parce que la banquette, elle est moins large que ça. Eh bien, j'ai tout simplement réalisé des équerres amovibles comme ceci. Tu vois, équerres amovibles, tout simplement, qui permettent de supporter le déport du matelas. Donc tu mets ton équerre
sur ton siège comme ceci, tu la cales et le fait que le poids vienne dessus, donc il y a du poids sur la partie ici et le poids qui peut venir aussi s'appuyer là. Donc il y a une contrebalance qui se fait, ça a été testé, approuvé, on ne peut pas tomber, ça s'installe en 2 minutes et ça prend vraiment, vraiment pas de place. Donc si tu regardes bien, eh bien j'en ai fait 2 tout simplement qui sont espacés à peu près logiquement pour compenser l'éventuel poids qui va venir par ici. Donc ça a été testé, approuvé. Ce matelas, mais de toute façon, de manière générale, hein, tous les équipements là qu'on a choisi, sélectionné dès l'année dernière, je te mets tous les liens sous la vidéo si toutefois ça t'intéresse. Ça, c'est un matelas autogonflant avec la pompe intégrée, c'est-à-dire que tu fais comme un massage cardiaque et tu le gonfles en quelques minutes. Je vais te montrer avec la porte fermée. Voilà ce que ça donne avec la porte fermée. Voilà le couchage. Donc l'idéal, c'est pour un enfant, un ado. On peut dormir un adulte, mais moi, par exemple, qui suis un peu grand, c'est un peu juste. Par exemple, Christelle, elle qui a testé, elle pourrait dormir ici. Mais moi, je préconise vraiment pour un enfant. En tout cas, c'est juste parfait. Pas besoin de modifs supplémentaires à faire avec cette installation. Donc, tu vois là, par exemple, je me suis installé. Je te montre. Pour moi, c'est vraiment un peu juste parce que eh bien, j'ai les pieds qui arrivent au bout comme ça. Tu vois, il faudrait que je recroqueville un peu. Moi, je dors les pieds, je dors allongé, hein, complet. Donc, tu vois, ça te donne une idée en tout cas. Et puis, tu peux te mettre sur le bord sans problème. C'est solide avec les équerres dessous. Ça ne peut pas tomber. Tu es sacrément bien installé. Et ça, ça te coûte que dalle. Tu as juste 2 équerres à faire. Si ça t'intéresse pour ton trafic, tu me diras, je te donnerai les mesures précises de ce que j'ai réalisé pour ces 2 petites équerres amovibles. Allez, on va continuer avec les couchages suivants. Je te remonte vite fait mes équerres. Regarde, en fait, c'est vraiment 2 bouts de bois avec des mousses pour être sûr que ça n'abîme pas le siège ni le matelas. Une petite charnière ici qui permet de le plier et de le ranger facilement. Tu vois, c'est tout simple. Et quand tu installes ça avec le poids et le contrepoids, eh bien, tu es sûr que ton matelas ou ton enfant ne tombe pas. C'est vraiment un petit renfort supplémentaire. Indispensable en tout cas. Donc testé, approuvé, ça c'est bon. Donc si, détail supplémentaire quand même, on met un sac de couchage par-dessus et il dort dans son sac de couchage. Allez, on va à l'étage. Donc la tente de toit. Voilà les couchages. Voilà un petit peu ce que ça donne. Voilà comment on a installé, nous, pour dormir à 4 dans la tente de toit. Petit rappel, c'est une tente donc NetUp, elle est fabriquée en France. Nous, on l'a commandée chez Campinambule, c'est pareil, tout ça. Tous les trucs, je te mets les liens sous la vidéo. Et du coup, à la base, c'est une family, c'est une 5 personnes qu'on peut utiliser dans l'autre sens. Elle est préconisée d'être utilisée dans l'autre sens, d'ailleurs. Mais nous, vu qu'on dort à 4 et on a trouvé que notre confort était mieux comme ça, on dort dans le sens de la largeur du véhicule, tu vois. Donc, du coup, on a le matelas qui est ici. Normalement, bon, on a un petit drap qui est toujours dessus. On l'enlève entre les sorties, en fait. Donc là, il sera remis. Mais je t'ai déployé les sacs de couchage pour te montrer. Je vais te parler aussi, d'ailleurs, des sacs de couchage. Pourquoi ce choix, quel choix, etc. Donc voilà. Et franchement, ici, on est bien installé. On s'y plaît. Et comme je vous dis, on a fait déjà pas mal de sorties en fin d'été dernier. Et puis aussi à l'arrière-saison, septembre-octobre, on est vraiment, vraiment au top. Donc du coup, à l'intérieur de la tente de toit, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a la possibilité donc de dormir. Je vais vous parler des sacs de couchage. Nous avons l'électricité avec notre petit Swaki portable. Ça, je vous l'avais dit, c'est vraiment le Swaki pour la tente de toit qui nous permet d'avoir du 220 et des prises USB. Voilà. Et c'est amovible, on peut le mettre et l'enlever en quelques secondes. On a aussi notre petite lampe ici, testée, approuvée aussi dès notre saison dernière, qui fait donc éclairage avec un réglage d'intensité et aussi anti-moustique. Je ne sais pas si tu vas voir, je vais te la défaire. Regarde. Bon, là, il fait jour, mais tu vois, c'est violet là. Eh bien, ça fait anti-moustique et ça marche. Donc voilà. Et puis, c'est amovible, c'est pareil, ça se recharge et l'autonomie, on l'a chargé qu'une fois depuis que... Depuis qu'on l'a, ça dure super longtemps, sachant qu'on n'a pas besoin d'éclairage super longtemps le soir. Comme tu le sais, c'est dans la tente de toit, tout s'ouvre. On a une luminosité incroyable. On a les côtés qui s'ouvrent ici, ici aussi. Enfin bon, c'est juste parfait. Au niveau des sacs de couchage, donc quel a été le choix? Donc comme vous pouvez voir, il y a 2 sacs de couchage spéciaux pour les enfants. Donc ils ont la particularité, ceux-là, d'être chasse-rêve, chasse-cauchemar plutôt. Donc ce sont des duvets très particuliers qui chassent les cauchemars des enfants. Donc ils sont tous, comme vous pouvez voir, en mode sarcophage. Ceux des enfants, l'avantage c'est que nous, ce qui a fait notre choix, c'est que l'intérieur est doux. Voilà, ils font 1,70 m de long, ils ont un décor sympa et il y a aussi une petite pochette pour ranger le pyjama. Voilà. Température maximale, enfin plutôt minimale, moins 12 degrés, donc à moins 12 degrés.
et ben tu es encore bien dans ton sac de couchage. Donc là, c'est pareil pour le deuxième. Et donc, ils ont tous, bien sûr, leur petit sac de rangement qui permet de minimiser l'espace pour les ranger. Et ensuite, donc, nous, on a choisi aussi deux modèles sarcophages qui, eux, vont jusqu'à moins 5 degrés. La fourchette d'utilisation, vous voyez, c'est moins 5 plus 15. Donc, ce sont des 3 saisons. Donc ça, vraiment, cet équipement-là nous permet de couvrir une grosse partie de l'année pour être bien dans la tente de toit. Nos sacs de couchage, on a aussi des sacs de compression qui permettent vraiment de compresser le sac de couchage, de le ranger en quelques minutes et minimiser l'espace de rangement à l'intérieur du trafic. Donc tu vois, on avait testé vraiment le couchage grand lit avec couette drap, etc. Mais au final, c'est pas ce qui nous correspondait le mieux, c'est pas là où on était le mieux. Donc on privilégie le couchage individuel, c'est plus pratique pour le rangement, c'est plus confortable pour dormir. Et puis en plus de ça, ça permet d'atteindre des couvertures, des protections à des températures basses de manière importante. Pour rappel, on avait fait un de nos séjours dès les débuts, d'ailleurs c'était le premier séjour, on était descendu à 5 degrés en Auvergne. Donc écoutez, on était déjà bien installé et on n'avait pas encore d'ailleurs exactement la même configuration. Tu vois, ça me fait plaisir vraiment de te montrer la tente de toit. On kiffe, on a hâte là de repartir. Mais je voulais te montrer, d'ailleurs je vais te montrer sur le véhicule ce que ça donne en termes de fixation. Mais voilà donc notre installation toute simple. Une lumière, de l'électricité si besoin, de quoi coucher de manière confortable, point barre, c'est tout ce qu'il faut. Donc je te mets aussi les liens de mes duvets, de ma lampe, mes trucs, c'est des trucs qui t'intéressent. Franchement, si tu as envie de te faire un van à pas cher, parce que tu vas voir que toutes mes vidéos, il n'y en a pas pour cher, il n'y a pas besoin de gros investissements, il n'y a pas besoin de travaux, de trucs comme ça, mis à part la tente de toit qui représente un budget. Mais l'avantage, c'est que tu peux la changer de n'importe quel véhicule. Si un jour on change de véhicule, on peut garder notre tente de toit. Comme je te l'avais dit à l'époque, on peut mettre ça sur une Xantia, on peut mettre ça sur la plupart des véhicules. Donc ça reste amovible, tout est amovible, on peut tout mettre dans le véhicule qu'on veut et ça franchement c'est juste génial. Donc pour rappel, la tente de toit, elle est montée sur des barres de toit, tu vois, il y a des barres de toit et elle est fixée à l'aide de gros crochets ici. Je vais te montrer, il y a des gros crochets, il y a une fixation rapide, donc ça c'est vraiment développé, breveté par la marque NetUp, tu vois, qui vient griffer ta tente de toit, la sceller, on va dire, sur tes barres de toit. Tu as juste à les visser, tu as une rallonge spécifique et en quelques minutes, c'est installé, quoi. Le seul truc qu'il faut penser, c'est amovible, etc. Le seul truc qu'il faut penser, c'est qu'il faut être plusieurs, idéalement 4, pour la poser dessus et l'enlever. Tu vois, c'est pas que c'est très lourd, mais c'est juste qu'il faut être plusieurs pour pouvoir l'ajuster de manière simple et efficace. Donc regarde ça, je te fais un petit tour. Je te fais un petit tour de l'installation. Tu vois ? Petit tour complet, la tente de toit si toutefois tu n'avais pas vu jusque là, regarde un petit peu, voilà ce que ça donne de ce côté et de l'autre côté. Donc je ne t'ordonne pas tous les caractéristiques de la tente, on en a parlé dans une précédente vidéo, leur pliage etc, c'est rapide, ça prend 2 minutes, tu vois. On a la coque dessus, il y a un système de ventilation pour ne pas avoir de condensation, enfin de ventilation naturelle. C'est juste super bien conçu. Et tu vois, nous, pour l'instant, avec les tests qu'on en a fait, eh bien, on est super, super content de ce choix. Et en plus de ça, tu as quand même une vue de malade. Tu vois, je ne t'ai pas remontré, je ne sais pas si tu avais vu, mais tu as une vue de malade. Tu peux t'asseoir comme ça dessus quand tu te réveilles. Purée, on a fait des réveils au bord de l'eau et tout. Et là, tu regardes, tu as ta vue, tu vois. Regarde un petit peu. Tu as de la hauteur. Donc tu vois à quel point tu peux te faire des couchages facilement, sans travaux. Et tu pourrais même rajouter, tu vois, si par exemple tu es une famille de 6, pour rappel, moi mon van c'est un 9 places carte grise. 9 places carte grise, actuellement 6 couchages et je peux faire jusqu'à 7 couchages si je le souhaite, puisqu'il existe aussi, il existe des lits cabines. Je te mets une illustration ici, il existe des lits cabines qui te permettent de se déplier aussi pour faire un lit facilement, un lit enfant et rapidement. Bah écoute, ça m'a fait plaisir de te partager ça. Donc là, on vient de vraiment voir la partie sommeil, la partie couchage sur notre configuration de trafic. Et dans les prochaines vidéos, on va tout aborder. On va aborder aussi l'électricité, on va aborder l'aspect hygiène, douche, toilette. Enfin, je vais vraiment vous faire une vidéo sur chacun des sujets clés sur lesquels vous pouvez avoir des questions. Mais sachez qu'on a tout ce qu'il faut
pour être bien et pour pouvoir voyager sur des courts, moyens et très longs séjours. Bon, bah écoute, n'hésite pas à réagir dans les commentaires. Si tu as des questions ou quoi que ce soit, tu n'hésites pas. En tout cas, encore une fois, tout ça, c'est testé, approuvé en famille. Nous, on est juste super contents. Je te dis à bientôt. Allez, bye bye. Bah alors, t'es toujours là? Bah tu peux te dire, ouais mais attends, le duvet, putain, je suis en rangée et tout. Bah justement, ça fait partie des critères de choix. Pourquoi on a choisi cela? Regarde, je te montre. Tu vois? Temps réel. Tu prends ton temps et t'en as pas pour longtemps. Regarde. Tu roules, tu roules, tu roules. Tu roules, tu roules, tu roules. Tu vois? Regarde un peu. Tu le roules, ok? Tu prends ton sac. Ton sac à compression, tu le mets à l'intérieur. Regarde, regarde, en temps réel. Tu le mets à l'intérieur. Regarde. Une minute à tout casser. Et ça prend pas de place à ranger. C'est ça l'avantage. Tu vois ? Tu mets tes deux languettes qui te permettent de faire la compression. Bon, moi, je les ai déjà réglées, il n'y a plus besoin de compresser. Mais après, tu peux resserrer. Et basta. Tu vois, c'est déjà rangé. Et tu fais pareil avec tes sacs de couchage. Et il y en a pour 4 minutes 30 à faire les 4. Terminé. Allez, à bientôt. T'es encore là? Tu veux voir ceux des enfants aussi? Bon, allez, ok. Ça marche. Pareil, tu roules, tu roules, tu roules, tu roules. Tu roules, tu roules. Tu roules tranquillement. Et je pourrais encore plus compresser. Hein. Tu prends le petit sac. Donc c'est des petits sacs classiques là, ils sont pas à compression. Jusqu'à moins 12 degrés, ceux des enfants, tu te rends compte? C'est ouf hein, quand ils pensent. Regarde. Ceux des enfants, je pense que c'est... Regarde, ceux des enfants, je pense que c'est 30 secondes à peu près. Tu vois, mince, il y a la lumière qui bouge. C'est pas grave, c'est terminé. Tu vois, c'est des enfants, c'est pareil. Prends 2 secondes le truc. T'as le temps si tu veux prendre le temps, t'as le temps. Mais ça va vite, tu vois. Et ça, c'est confort. Tu peux arriver sur un spot, un truc, tu te déploies, te dis en 5-7 minutes, t'es tout déployé, t'es prêt à dormir, quoi. Franchement, bah, c'est énorme. Bon, allez, cette fois, je te laisse pour de vrai. Bye bye. T'es encore là? Je t'avais dit que c'était terminé et tu restes quand même. Parce que tu te dis, bah oui, mais la tente de toi, tu vois, mais il va mettre 10 minutes à la plier après la vidéo. Bon, reste avec moi, 2 minutes si tu veux. Allez, ok. Mais pas plus, hein. Terminé.